N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, les gars, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comment scanner un code QR avec ton iPhone? Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire cela. Ce que nous allons utiliser pour pouvoir scanner n'importe quel QR avec notre iPhone, c'est l'appareil photo. Ok, donc là, je vais ouvrir l'appareil photo et nous allons voir là une batterie Huawei. Si nous voulons par exemple scanner le code QR sur cette batterie, ce que nous allons faire, c'est placer notre téléphone sur le code QR. Comme vous voyez là, il va falloir vraiment être stratégique pour pouvoir vraiment capter le code QR. Là, vous pouvez voir, c'est vraiment aussi difficile. Donc, vous allez devoir bien placer votre téléphone devant le code QR. Ok, donc là, c'est un peu compliqué. Mais, vous placez votre téléphone sur le code QR. Donc, ok, maintenant là, vous pouvez voir, j'ai pu capter vraiment le code QR. Vous allez juste tapoter sur rechercher le code QR. Donc, si c'est un mot de passe, vous allez directement être connecté sur le Wi-Fi. Ok, vous pouvez utiliser cette technique pour vous connecter sur un Wi-Fi. Ok, ou pour n'importe quelle autre raison, vous pouvez scanner. Et là, vous pouvez voir, j'ai scanné et là, ça m'a directement donné les informations concernant la batterie. Ok, parce que là c'est une batterie, c'est le code QR d'une batterie que je suis en train de scanner. Donc là vous pouvez voir clairement, on me montre tout ce qui concerne la batterie Huawei. Ok, donc là vous pouvez voir clairement. Donc c'est ainsi que vous allez donc pouvoir procéder pour scanner n'importe quel QR avec votre iPhone. Ok, n'importe quel code QR avec votre iPhone. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne, les gars, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.